S'exprimant lors du lancement de la campagne Sortez et votez à Walvis Bay en Namibie dimanche 17 novembre 2024, le président des Patriotes indépendants pour le changement IPC, Panduleni Itula, a exhorté les électeurs à considérer attentivement leur avenir et leur véritable désir avant de voter. Le docteur Itula a appelé à une transition en douceur du pouvoir après l'élection présidentielle du 27 novembre 2024. That on the 21st of March, out of love... Le 21 mars, j'aurais aimé que ce soit notre cher défunt président, le docteur Hage Gottfried Genghob, qui me remette les instruments du pouvoir. Cependant, je suis certain que son cher ami et compagnon de lutte pour la libération, son Excellence le Dr N'Golo Mumba, honorera son héritage en faisant exactement cela. Panduleni Itula a encouragé tous les Namibiens à participer aux prochaines élections et à voter pour le changement, soulignant la nécessité d'accroître les opportunités d'emploi, d'améliorer les soins de santé, d'offrir une éducation de qualité et de disposer d'un logement adéquat. Trevino Forbes, vice-président de l'IPC, appelle les membres du parti à rester non seulement vigilants à l'approche des élections, mais aussi fidèles à leurs convictions. Si vous prenez au sérieux le bien-être de votre peuple, de votre pays et de vos ressources, vous voterez de manière responsable. Vous voterez pour le docteur Itula et vous voterez pour les patriotes indépendants. Pour le changement, il n'y a pas d'autre solution. Le 27 novembre 2024, près de 1 449 569 électeurs namibiens iront aux urnes afin d'élire un nouveau président et leur représentant au Parlement. Pour cette élection, la vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitua, candidate du parti au pouvoir la SWAPO, fera face à plusieurs candidats dont son principal adversaire, Panduleni Itula, président des Patriotes indépendants pour le changement IPC.